Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller au Tchèque-Wagon et c'est un jour très spécial parce qu'on est le 25 décembre, le jour de Noël. Allez, c'est parti, générique! Bon les amis, le Tchèque-Wagon restaurant, c'est le restaurant de l'hôtel Cheyenne à Disneyland Paris. Donc franchement, on est ici, on va vous goûter tout ça. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement, si c'est bon, si c'est pas bon, le prix, est-ce que c'est cher par rapport à ce que c'est. En tout cas, j'espère que voilà, ça sera bon, parce qu'on vient quand même pour goûter et on vient se faire plaisir quand même à Noël. C'est une vidéo quand même spéciale, Noël à Disneyland Paris. Bon les amis, on est au Tchèque-Wagon, on vient de se faire installer, on a une place à deux, on a avec Madame Rêveuse, on va tester un petit peu tout ce qu'il y a ici à manger. C'est un buffet à volonté, on est le 25 décembre, c'est le jour de Noël, je dois dire que c'est vraiment très grand. C'est la première fois qu'on vient au Tchèque-Wagon et honnêtement je suis assez impressionné par la grandeur en fait de ce restaurant. Il est vraiment très grand, je pensais que c'était plus petit, mais en fait c'est vraiment très grand. Et le buffet se situe juste ici, nous on est placé en fait... royalement parce qu'on est juste à côté du buffet et je dois dire que je vais hâte de pouvoir goûter tout ça. En plus le 25 décembre, tu sais comment que ça se passe, on mange. On va se faire péter le bidou. Taquer les amis, c'est un truc de folie. Bon les amis, regardez, un vrai Coca-Cola qui est servi, il est inclus avec le menu et du coup c'est 40 euros pour les adultes, 22 euros pour les enfants, c'est une dinguerie. Moi regardez, en fait c'est Noël, donc du coup les petites crevettes, le petit saumon, j'ai vu qu'il y avait des frites, donc tout de suite j'ai tombé dessus. Alors je vais goûter directement le saumon pour vous dire ce que ça vaut. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs, hein. On va se régaler les amis, ça va être un truc de dingue. Alors le petit saumon, on va le goûter directement. Il est délicieux. Moi j'aime bien. Très très bon. Allez, je vais goûter une crevette devant vous. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un pouce. Sinon je te jure, je vais péter les plombs. Vous avez vu, elle a parlé. Hein. Bon. Je décortique ça, t'as vu le temps qu'on décortique et tout. Allez, je vais goûter ça.
C'est pas les meilleures crevettes que j'ai mangées, mais ça reste sympathique quand même. Allez, je vais te goûter les frites qui ont l'air délicieuses. Les frites qui ont l'air délicieuses, vraiment. Franchement, c'est super bon. Il y a beaucoup de plats, il y a pour tout le monde. Et c'est ça qui est super sympathique, parce que du coup, t'en as vraiment pour tout le monde, dans tous les plats. Tout à l'heure, on goûtera d'autres choses. J'ai vu qu'il y avait d'autres choses vraiment délicieuses, que ce soit sur les desserts, que ce soit sur les plats principaux. Donc bah, ici, Madame Rêveuse, je pense qu'elle va vous montrer ce qu'elle va prendre. Mais on vous dit ça, à tout de suite. Bon les amis, c'est Noël ou c'est pas Noël? Eh ben j'ai fait comme pour Monsieur Rêveur. On démarre tranquillement par une petite entrée fruits de mer, saumon fumé, filet de poisson fumé, quelques crevettes, un petit pain ici, un petit pain au maïs qui a l'air délicieux et une petite salade boulgour tranquille. Voilà, bah, bon appétit. Je dois dire que les plats sont vraiment de qualité. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le 25 décembre ou non, mais les plats sont vraiment de qualité et c'est assez sympa. Et je dois dire quand même que pour un restaurant à volonté, c'est 5 euros moins cher que dans le parc. Parce que le Plaza Garden est à 45 euros, si vous calculez bien. Et c'est quand même un restaurant qui est dans un hôtel. Après, oui, automatiquement, ça vous fait ressortir du parc. Mais si vous êtes à l'hôtel, ça vous fait manger quand même un petit peu moins cher. Bien sûr, la boisson est incluse à l'intérieur. Et c'est un vrai coca, comme je le répétais depuis tout à l'heure. Bon, les amis, je suis revenu avec une deuxième assiette. Donc, du coup, j'ai pris des pâtes à la bolognaise, des pilons de poulet. Je vous ai pris aussi, regardez, comme vous connaissez, les petites pommes de terre Mickey et des petits trucs en fait à l'intérieur de ceci. Normalement, c'est du fromage avec un petit peu de sauce tomate. Donc du coup, je vais goûter les pâtes à la bolognaise, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Les pâtes sont vraiment excellentes. Moi, j'adore les pâtes là. Avec la petite bolognaise, ça rend vraiment très bien. C'est très bon. Franchement, les pâtes là, je les recommande vraiment parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Je vais goûter le petit truc spécial. Alors vous voyez, à l'intérieur c'est comme ça. C'est du fromage avec un peu comme une pâte à pizza au-dessus. Et à l'intérieur, tu as un peu de la bolognaise. Alors, j'avais déjà goûté dans un autre restaurant. C'est sympa, mais c'est pas hyper méga bon. Tu vois ce que je veux dire? Alors, un petit pilon de poulet. Voilà, comme tu vois, ils sont assez sympathiques. Je vais en décortiquer un petit morceau. Alors d'habitude, ça se mange à la main. Allez, on est le 25 décembre, on va le manger comme ça. J'ai l'impression que c'est Tex-Mex. C'est plutôt bon. C'est plutôt sympathique, en fait. C'est plutôt sympathique. Et du coup, regardez, juste là, comme je vous ai dit, je vais goûter la petite tête de Mickey. Alors, ça plaira très certainement à vos enfants. Moi, c'est peut-être le produit le moins que je suis fan de cette assiette-là. Mais sinon, les produits sont quand même assez de qualité. Et je dois dire que les pâtes sont vraiment excellentes. Alors moi, je tiens à vous montrer l'intérieur de mon petit pain au maïs. C'est tout juste un délice. On voit qu'il y a des vrais grains de maïs dedans. C'est vraiment délicieux. Je vais goûter ça, les amis. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un vrai grain de maïs. Ouais, c'est super bon. C'est du pain au maïs? Ouais. Ah ouais, je n'avais jamais goûté ça. C'est vrai que ça... C'est spécial, enfin moi je suis pas trop fan, mais... Ah, moi j'adore. Hein. C'est incroyable. Ah, vraiment, une belle trouvaille. Mon entrée, c'était juste un délice. Je me suis régalé, une belle mise en bouche. Hein. Ah, moi, je peux vous dire que pour le 25 décembre, je festoie les amis. On se croirait presque dans le film Les Visiteurs. On festoie, festoie. Donc voilà, c'est la folie, quoi. On est plutôt dans la grande bouffe. C'est trop bon. Les amis, petite particularité ici au Czech Wagon, c'est qu'on vous fait votre omelette à la demande. Bruno, avec talent, bah, nous demande ce qu'on veut dedans. Moi, j'ai choisi la totale, c'est-à-dire bacon, gruyère et persillade. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense, mais elle est tout simplement magnifique. Quel talent! Bon, du coup, Bruno, je vais goûter voilà, la petite omelette personnalisée que tu as fait. On va voir ce que ça vaut. Ah oui, effectivement, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Hein. Ah, il y a du fromage et tout, on voit bien. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air super sympa. Elle était généreux, hein. C'est super bon. Franchement, c'est très très bon. Et vu qu'à l'intérieur, tu peux faire tout ce que tu veux, bah, tu peux mettre les ingrédients que tu as envie. Et je dois dire que c'est vraiment très bon. Et c'est assez original comme plat. Du coup, en plus, les amis, ici, les cases sont hyper sympas. Le service est vraiment très bien fait et c'est vraiment très sympathique de pouvoir manger dans une ambiance, on va dire,
même s'il y a un petit peu de bruit, t'es quand même en fait dans une bonne ambiance où t'es pas tout à fait à côté des gens et c'est quand même très sympa. Et le cadre est joli hein, quand même. Hein. Franchement, le cadre il est vraiment super joli. Je suis étonné, hein, je suis vraiment étonné parce que c'est la première fois qu'on vient au Czech Wagon et vraiment on est vraiment sous le charme de ce restaurant. Je pense qu'on reviendra une prochaine fois pour manger. Et un petit coucou au petit cast member que je connais juste ici, qui est très sympa, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois. En tout cas, coucou à toi. Donc les amis, j'ai pris faux filet de bœuf et du bœuf. Je vais goûter ça, je vais vous dire si c'est bon ou pas, mais ça avait l'air délicieux hein, que de boire. C'est la folie. À cette viande, en plus, trop bon. On va goûter le petit truc au bœuf. Ça aussi, c'est vachement bon, ce bœuf bourguignon, j'ai l'impression. Bœuf bourguignon. Donc pas vraiment Tex-Mex, en fait. En fait, tu peux manger de tout. T'es pas obligé de venir manger Tex-Mex. En fait, c'est écrit Tex-Mex, mais... En fait, tu peux manger de tout au Czech Wagon. Et ça, c'est bien, il y a une diversité des plats qui est vraiment présente. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Je recommande honnêtement ce restaurant, parce que tous les plats que j'ai mangés quasiment, c'est que des plats de qualité. Et 40 euros, franchement, ça reste raisonnable, ça n'a pas augmenté de beaucoup. Czech Wagon, c'est un des restaurants qui a le moins augmenté. Et honnêtement, très, très, très bon. Boisson incluse, on le répète encore une fois, parce que c'est vrai que la boisson est incluse. Franchement, trop bon. Bon, je me resserre un petit coca, je me suis pris un deuxième coca, tu me connais, hein, tu sais comment c'est. Du coup, à la vôtre, joyeux Noël. Et surtout, un petit truc, c'est que, en fait, quand tu viens ici, tu t'attends pas à trouver une qualité comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très bon. Les gens sont très contents autour de nous. Tout le monde est très content. C'est pas parce que c'est le 25 décembre. C'est vraiment parce que la qualité est présente et que le service aussi est présent. Et dans un restaurant à volonté, il faut une qualité de service avec une qualité de plat. Et nous retrouvons les deux ici. Et ça, c'est vachement important. Donc, coup de cœur, Czech Wagon. Czech Wagon, coup de cœur. Vraiment. J'adore. Eh ben, moi, je vais aller chercher ma troisième assiette. Let's go. Yeah, baby. Donc n'oubliez pas qu'au Czech Wagon, si vous êtes passe annuel, la réduction fonctionne aussi pour les passes annuelles. Plat, j'ai fait moitié Noël, moitié Tex-Mex avec un petit filet de poisson, la pomme de terre Nidange, une petite poêlée de champignons ici. Et bon, allez, j'ai craqué sur le Tex-Mex un chili con carne parce que j'adore ça avec le petit pain maïs et puis les épis de maïs. Bon après, je vais rouler sous la table, je vous explique pas, mais c'est parti. Bon les amis, deux petites glaces à la vanille fraise, apparemment je crois que c'est vanille fraise. Ouais, c'est vanille fraise, les petits pots, tu connais. Alors voilà, moi j'ai pris ça. Je vais goûter ça. Bon, on connaît en général, là, c'est très bon. C'est sympa, en tout cas, je ne les ai pas vus partout, ces petits pots vanille fraise. En fait, dans les desserts... Donc j'ai pris des petites pâtes, tu sais les petites pâtes, là c'est en forme de sapin. C'est des pâtes d'amande ça? C'est pas vraiment une pâte d'amande, non, c'est autre chose. Ouais, ça ressemble, mais à l'intérieur. Mais j'aime bien, c'est bon. Alors, après, je t'ai pris toutes sortes de desserts. Je me rappelle plus de tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment bon. Je vais commencer par ça qui m'intrigue le plus. C'est ça qui m'intrigue le plus, vraiment. Je vais goûter. Oh oui, c'est du chocolat blanc, on dirait. Le gâteau Woody? Celui-là. C'est vachement bon. Je saurais pas te dire ce que c'est. Il y a du chocolat blanc, c'est sûr. Mais t'as une petite gélatine en bas du gâteau. T'as un petit peu de biscuit à l'intérieur. C'est assez bon, j'aime bien, personnellement. Et je trouve que ici les desserts sont pas... sont pas identiques, ils sont différents des autres restaurants et ça m'a vachement étonné en fait que ça soit différent. Je vais goûter ça, alors ça, hop, je te montre. Ça ressemble un peu genre à la panna cotta, mais sauf que c'est aux fruits, tu vois. Voilà. Mmh. Super bon, ah, vache avec des fruits et tout, c'est très frais.
franchement c'est bon. C'est très bon, très frais. Et en plus, bah pour Noël, ça fait plaisir. Alors ça, je vais te goûter ce gâteau juste ici, celui-là. Alors je sais plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais ah, ça, c'est spécial Noël. C'est une bûche de Noël spéciale. Je vais... Alors, tu vois déjà, c'est très, très tendre, on dirait, quand tu le coupes. Je dirais fruit à passion, non? Ouais. À vue de nez, comme ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu fruit de la passion et tout. Ah, c'est bon, hein. Ça coule tout seul. Franchement, ça y va tout seul. Alors, c'est encore beaucoup de mousse, non? C'est de la mousse, ouais. C'est beaucoup de mousse ici. Beaucoup, beaucoup de mousse dans ce restaurant. Mais c'est des desserts que tu vois pas ailleurs. Moi, je les ai pas vus ailleurs, ces desserts. Alors, je vais goûter ça. C'est aussi de la mousse. Ça, c'est à la myrtille, il me semble. C'est aux fruits. Wink. Là, dedans, il y a des petits morceaux de gâteau, t'as un peu de tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors ça, bah, je pense que tu connais. Hein. C'est une espèce de petit donut avec du sucre dessus. C'est un peu plus traditionnel. Ça a l'air costaud, non? Ouais, ça c'est costaud. Et bien sûr, le petit dernier, juste ça. Le cadeau surprise de Mini. Alors non, c'est pas ça du tout. Ça s'appelle totalement différemment, mais... Ça ressemble. C'est pareil, hein, c'est beaucoup de... T'as beaucoup de... Comment on appelle ça? De couches, non? Oui, de couches, mais là, regarde, t'as du gâteau, en fait. C'est de la génoise, ouais. Ouais, donc pratiquement tout, t'as de la génoise, en fait. Ah, bon. Ton préféré, c'est lequel? J'ai du mal, hein. Il y en a vraiment beaucoup des bons, là. Alors, là, j'ai du mal à me dire lequel ça serait mon préféré. Alors, celui que t'aimes le moins? Bah, c'est celui-là. C'est celui-là parce qu'il sort, un petit peu moins. Les autres sortent un peu plus du commun alors que celui-là, bah, c'est assez traditionnel. Quoi. Et bon. Quel est le plus de ce restaurant alors? Les plats, les entrées ou les desserts? Alors je sais pas, comme je vous ai dit, je sais pas si c'est parce qu'on est venu le 25 décembre, mais tous les plats composés, que ce soit du dessert, de l'entrée, du plat principal ou du dessert, sont vraiment bons. Et honnêtement, je pourrais pas dire si. Moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime beaucoup ce restaurant et je le trouve vraiment très bon. Pas excessivement cher pour ce que c'est. Moi j'ai décidé de tester un petit peu autre chose que mon cher rêveur. Déjà, le fromage, c'est le Montreux Jack. Je l'adore. C'est un fromage fumé, pimenté. Donc on va commencer par là. Alors ici, on a un carrot cake. Ici, je sais pas trop, c'est la cupcake de Woody. On va tester. Un petit fondant chocolat traditionnel et un petit gâteau chocolat, bah parce que c'est là-bas, c'est Noël. Eh ben, tu veux que je te dise, je suis au Czech Wagon. C'est trop bon le Czech Wagon. Voilà les amis, c'est la fin du repas. Franchement, on a vraiment beaucoup mangé. Je dois dire que là, je suis plein au taquet. On s'est régalé. C'est vraiment un super restaurant à volonté, le Czech Wagon à Disneyland Paris, que je vous conseille énormément. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ce restaurant était vraiment très bon. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu. Laisse-moi un petit commentaire dans la vidéo si toi aussi, tu es déjà venu manger au Czech Wagon et qu'est-ce que tu en as pensé. Clairement, c'était vraiment excellent. Alors après, comme je dis, je ne sais pas si c'était le menu de Noël qu'on a eu ce soir ou pas, mais en tout cas, on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce menu spécial restaurant à volonté. Et je suis plein. Je suis pleine. Mais alors, qu'est-ce qu'on a bien mangé? On n'a pas arrêté de manger. C'est un truc de fou, les amis. Et on s'est fait plaisir. C'est ça aussi l'important, c'est de venir, de se faire plaisir. De venir manger, bah, pour nous c'est une première puisqu'on le fait, on n'avait jamais fait en fait d'être venu manger à Disneyland Paris le 25 décembre. Franchement c'est fait et ça me donne envie de refaire ça l'année prochaine en tout cas. On va aller se reposer maintenant. On a bien mangé, on a bien donné. Et quand tu verras cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce, bien sûr ça sera plus le 25. Mais en tout cas on aura passé une partie de la soirée avec toi.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et bien sûr à activer les petites cloches parce que c'est super important pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Joyeux Noël les amis !